chanter. En tout cas, applaudissez très fort pour vous. Ouais. Non, là, cette année, je me suis habillé selon la tendance. Je suis habillé en émergence 2020. Qui va rester derrière? Tout le monde veut aller dans 2020 là pour voir là-bas. Maintenant, si ça se trouve, voilà les routes là. Ça, c'est autoroute du Nord là. Voilà ça qui est là. C'est 3 jusqu'à Yamoussoukro. Mais je n'ai pas dit de prendre vos voitures, vous allez venir rouler 6 mois. Hein? Mes parents m'attendent à la maison pour manger. Les échangeurs là, là, voilà ça qui est là. C'est pas encore terminé. Les deux échangeurs, ça y est là. Ouais. En tout cas, je suis content de vous voir. Qui est? Bonne année à vous tous. Bonne année à nos mamans. Que 2014 vous éloigne des garçons aigris, jaloux, pinks, radins et puis avares. Bonne année à nos tontons aussi. Tonton, papa, parents, garçons, bonne année aussi. Que l'année 2014 vous éloigne des femmes jalouses, possessives et qui dépensent votre argent. T'as vu ça, c'est équilibré. Non, maintenant là, on est devenu maintenant expérimenté. J'ai remarqué quand la fin du mois approche, les filles changent leur style d'habillement en même temps. Elles commencent à porter les petites culottes, les collants. Mon frère, ça c'est clignotant. Il ne faut pas aller vers là-bas. Parce que quand le gouvernement fait virement, elles t'attendent au virage. C'est pour mettre l'âme dans ton projet. Donc maintenant, quand moi je me promène, je suis prudent. Quand une fille me dit, ambassadeur, il faut payer poulet pour moi, je dis oui, je vais payer le poulet. Mais c'est chez moi à la maison, tu es allé manger ça. Quand on arrive à la maison, j'accroche le poulet là, mais toi aussi ton pantalon accroché de l'autre côté. Pendant que toi tu es en train de manger le poulet, moi je m'occupe du pantalon. Ça, c'est échange de marchandises. On ne s'amuse plus avec. Quand on finit de manger, je dis bon, on va digérer. Elle dit ah, mes parents sont méchants. Ah bon, c'est maintenant tes parents sont devenus méchants quoi. Quand tu mangeais poulet là, ton papa n'était pas méchant. Ah bon, automatiquement j'ai changé la disposition tactique interne de la maison. Le lit dans le salon, les fauteuils dans la chambre. Désormais, on se repose dans le salon avant d'aller manger le poulet dans la chambre. Voilà, quand c'est comme ça, chacun est satisfait. Mais les filles, quand un garçon t'invite pour manger poulet, pardon, fais attention. Maintenant, il y a plusieurs catégories de poulet. Il y a poulet bicyclette, poulet prophète, et puis il y a poulet prévoyant. Ce poulet, tu es en train de manger et puis tu sens ce qui va t'arriver après le poulet. Et quand c'est comme ça, quand tu manges poulet d'un garçon, le lendemain, quand tu passes devant sa porte, tu le regardes, tu dis, « Hé, lui là !» Son petit poulet est mangé, ce qu'il m'a montré après. Mais ma chérie, tu t'attendais à quoi? Quand tu partais payer poulet là, tu n'as pas vu position de poulet là? Poulet qui est couché dans un plateau comme ça. Ou bien comme ça. Et puis on paye pour te donner, tu manges. Après, tu te retrouves dans une position bizarre. Et puis tu accuses les parents sorciers. Ma chérie, c'est toi-même qui es ton propre sorcier. Mais il y a des filles qui disent, bon, si c'est ça, moi, je ne mange plus poulet comme ça, je mange poulet piqué. Wow! Poulet piqué, c'est que tu es morte! Poulet piqué, on pique à partir de où? On pique toujours par derrière. Si on t'y a mangé, ils vont te piquer. Ça sera la piqûre. Et puis il y a des filles qui disent, bon, si c'est ça, c'est bon, mais moi, je ne mange plus tout ça là, je mange maintenant demi-poulet. Oh, demi-poulet! Demi-poulet est toujours couché sur le côté, sur le côté, sur le côté, sur le côté. Tu es couché, c'est gâté sur toi. Applaudissez pour les femmes, applaudissez pour nos mamans. Applaudissez très fort pour vous. Ah ouais. En tout cas, c'est bien. 2014 là, ça sera chaud. Il n'y a pas quelqu'un qui a resté dans 2013 là. Nous tous, on va rentrer dans 2014 là ensemble. Ouais. Là, je suis content. Non, là où je disais, franchement, les digueux, je les adore. Mais tellement vous avez critiqué les digueux que finalement, eux-mêmes, ils ont commencé à composer les textes maintenant. Vous avez dit non, ils ne chantent pas. Le Yorobo, il chante maintenant. Il a ses textes. On va prendre ça pour chanter karaoké 2014.
Et dans sa chanson, j'ai écouté juste, il y a une seule partie que j'ai comprise. C'est très simple. C'est la seule partie, j'écoute toujours, je ne savais pas que c'était en français. C'est avant-hier que j'ai découvert ça. Tu entends? Woloso, kolo, kake, kalakaka, poisson en l'air. Les oiseaux qui volent en l'air, qui disent bonjour à Dieu. C'est belele. Que le belele, c'est belele. Que le belele, c'est belele. C'est le belele, c'est belele. J'ai dit, hein? C'est que karaoké là-bas chauffé, hein? Mais ça, c'est rien. À peine on dit de chanter en français, ah, les femmes aussi, elles ne sont pas restées derrière. Claire Baoui aussi a décidé de chanter en français aussi. Ouais. Mais elle, déjà, elle est claire. Donc, ses têtes sont claires, son teint est clair, ses danses sont claires, et puis ses atarakous sont clairs. T'entends? Oh, tiens! Quand ce n'est pas clair dans ça, là. Oh, tiens! Oh, tiens! Ah, la marie, tiens! Allez, je me dis, tiens! Maranel, tiens! Fallait-elle, tiens! Nouvelle-Louis, tiens! Tout le monde, tiens! Ça, moi, cela n'a pas donné. Et puis après, dit, tenez bien ce que Dieu vous a donné. Mon frère, ce n'est pas pour toi seul. On ne sait jamais. Pardon, oh, ma tante, ce petit atalakou, il est fait pour toi. Le père va me frapper. Applaudissez pour Claire Bailly. Je l'aime trop, je l'adore. Non. La vie évolue et c'est bien. On a remarqué que maintenant, les choses changent tellement. Personne ne veut se contenter de sa place. Les Blancs veulent venir en Afrique. Les Africains veulent partir en Europe. Tu vois, les Noirs veulent devenir clairs. Les Blancs veulent devenir noirs. On ne comprend rien. Tu te rends compte que les célibataires veulent se marier pendant que les divorcés, les mariés veulent divorcer. Les fonctionnaires veulent démissionner pendant que les chômeurs, eux, ils veulent travailler. Ce qui me fait rire, c'est que les artistes, les stars, ils se cassent. Ils ne veulent pas que le public les voit pendant que les bâtards qui sont au quartier, là, ils se montrent tous les jours. Hey, je suis artiste, montre-moi. Moi, je ne comprends rien. Et ce qui me choque le plus, c'est que tu te rends compte, les garçons veulent devenir femmes et puis les femmes veulent devenir garçons maintenant. Vraiment, tout est compliqué. Tout est mélangé et on ne comprend rien. Donc, quand moi, je sais que j'ai une copine et qu'elle est jalouse, là, je fais attention. À chaque fois que tu déposes ton téléphone, elle va prendre pour regarder. Depuis une semaine, je l'ai mise au régime. Quand mon téléphone sonne, elle prend, elle s'en met en charge. À chaque fois que mon téléphone sonne, elle prend, elle s'en met en charge. La dernière fois, il y a mon ami qui me demande, mais pourquoi à chaque fois ta femme là, quand ton téléphone sonne, elle prend, elle met en charge. Il dit, c'est parce que dans le téléphone là, tous les noms de mes copines là, j'ai mis dessus batterie faible, batterie faible, batterie faible, batterie faible, batterie faible, batterie faible, batterie faible. Voilà. Oh, il y a 114 copines dans mon portable là. Donc imaginez, actuellement, elle est en train de mettre en charge seulement. C'est fait, les filles appellent seulement. Non, il faut avoir des stratégies. En tant qu'ambassadeur, ambassadeur même moi-même, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et c'est moi seul, l'argent travaille. Voilà ça ici. On dit, l'argent ne circule pas, l'argent travaille. Ah, mais le président, lui, il circule, hein. Un autre argent, hein. Tiens, s'il y a monnaie de voyage, là, il n'a qu'à envoyer nous un maillot un peu. Non. Moi, je respecte les gens. En tout cas, je respecte la Côte d'Ivoire, mais j'ai beaucoup voyagé tellement que j'ai eu trop d'expérience maintenant. Désormais, moi, je me suis donné le signal fort de respecter certaines personnes. Ces deux personnes-là, en tout cas, je les respecte. Ils ont le même honneur, ils ont les mêmes hommages, et puis ils ont les mêmes privilèges. Président et puis prisonnier. Il faut les respecter. Voilà. Non, je fais une petite démonstration simple. Quand le président passe, il y a Girophare, il y a Motard, et puis il y a Cortège. Quand on convoie les prisonniers, c'est la même chose. Il y a Girophare, il y a Motard, et puis il y a Cortège. Président, sa voiture est blindée. Prisonnier aussi, sa voiture est blindée. Président, quand il passe, il soulève les bras et puis il salue les gens. Prisonnier, quand il passe, regardez si les cargos, là, il y a des trous, 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 trous comme ça. On voit les bras. C'est qu'eux aussi, ils nous saluent. Président, il prend serment. Prisonnier aussi, il prend serment. Il dit, Jésus ne dit la vérité, rien que la vérité. Président, il prend serment où? Au palais présidentiel. Prisonnier, il prend serment où? Au palais de justice. Chacun a son palais. Quand le président dort, on le surveille. Quand le prisonnier dort aussi, on le surveille. Président, il a sa garde spéciale qu'on appelle garde républicaine. Prisonnier aussi, il a sa garde spéciale qu'on appelle garde pénitentiaire.
Pour aller voir le président, on prend rendez-vous. Est-ce que pour aller voir les prisonniers aussi, on ne prend pas rendez-vous? Parmi les prisonniers, il y en a qui sont des voleurs. Est-ce que parmi les présidents? Bon, pas ceux qui sont vers chez nous ici, hein? Au loin, là-bas, là. Est-ce qu'il n'y en a pas qui volent souvent l'argent du peuple? Du point de vue orthographique, président commence par quelle lettre? Président commence par quelle lettre? Prisonnier commence par quelle lettre? Quand on abrège président, et puis on écrit sur sa voiture, on abrège comment? On écrit PR. Est-ce que parmi les, dans l'orthographe des prisonniers, il n'y a pas PR aussi dedans? Donc ça veut dire quand tu regardes très bien, tu as l'impression que président et puis prisonnier, on dirait que les deux, ils sont quelque part même chose. Tu as l'impression que chacun est assis à la place de son camarade. Et qu'à tout moment, les deux peuvent s'inverser les places. Parce que souvent, c'est le président qui devient prisonnier. Souvent aussi, c'est le prisonnier qui devient président. Parce qu'on peut partir de la prison à la présidence. Exemple, Nelson Mandela. Mais on peut aussi partir de la présidence à la prison. Bon, là, on n'a pas encore trouvé exemple jusqu'à présent. Je vous remercie. Diguez, mets le son. On va soutenir les éléphants. On s'élève. On soutient les éléphants. Les éléphants, les éléphants. Ivoirien, on reste debout. On n'a pas peur, on reste debout. Ivoirien, on reste debout. On n'a pas peur, on reste debout. Pour la victoire, on reste debout. C'est pas blanc, on est avec vous. Du courage, on tient le bon bout. C'est sûr qu'on ira jusqu'au bout. Ivoirien, on reste debout. On n'a pas peur, on reste debout. Agalawal. Ouais. Non, pardon, faut avancer un peu, faut pas te mettre à côté. Attends, on a porté les mêmes. Non, oui, pardon, doucement et moi, carrément. Ah. Avance un peu. Tourne. J'ai une commission pour toi. Vas-y. Il y a le parrain, le gouverneur Beugre Mambé. Ah, il est là? Oui, il est là, il est assis devant là. Faut dire qu'à passer mes voix après. Tu sais, Mariam, ma santé financière est trop fragile, on dirait éléphant dans poule de Japon. C'est comme ça. Il dit, en attendant qu'il vienne te voir là, ouais, de lui donner l'adresse de ton couturier là. Ouh. Enfin non, pour toi là, c'est tailleur. Il dit, je finis, hein. Faut lui donner l'adresse de ton tailleur. On va le délocaliser, il va sortir du district d'Abidjan. Il est déjà parti en Syrie. Il est parti avec le code. Donc ça là, c'est mon dernier habit, il a cousu pour moi qu'elle a là. On ne sait jamais s'il met là-bas, il est couplé à bio. Ce ne serait pas mauvais, non? Non, pas du tout. Mais monsieur le gouverneur, bonne arrivée. Merci beaucoup, bonne et heureuse année à vous. Que Dieu vous bénisse. Voilà.